Bienvenue, jeune artichaut, dans le bêtisier des provisionnels de partie 1. Ok. Il y a eu un message, tu m'as bloqué, j'ai pas eu le temps de lire, bravo. En vrai, mec, on a juste envie d'aller vers la piste, c'est pareil. En vrai, mec, on fait celle-là et après, c'est bon, genre, on est tranquille. Faut rester autant de temps. Viens, on la fait à fond. Allez! On est chaud! Mais par contre, je crois que je raconte l'histoire, faut pas que tu me coupes. C'est juste ça. Le mec, on dirait, il est là en mode bon, je parle pas. Et mes parents ont décidé de déménager, donc moi aussi. Et du coup, je suis allé dans un collège en campagne. Ce collège, j'ai rencontré Kevin, Antoine et Maxence, qui m'ont accueilli comme des. Et puis, je demande si Maxence il est pédé. Enfin, pédé. Il est homosexuel. Ouais, c'est tout match de dire pédé en vrai, quand tu penses. Prédateur. Je suis allé le voir et là, je lui dis gros, est-ce que t'es gay? Il me fait. Crash game, puis il est professionnel. Ah oui, c'est vrai, maintenant c'est professionnel. Salut, ça va? C'est moi qui est administrateur de la chaîne aussi, je te jure. Clairement, enfin, là, on n'est pas ouf. Genre, on n'a pas non plus des milliers d'abonnés. Que 100 euros par mois, quoi. Mais ça va. Enfin, 100 euros, c'est pas dégueu, quoi. Ça fait 50 balles par mois, on est bien. Ouais, franchement. Parce qu'en fait, on tient à rester transparent avec vous. D'ailleurs, il y a une opération sponsorisée qui arrivera bientôt. On dit n'importe quoi. On n'a même pas de compte pour l'argent. On gagne rien du... On gagne rien du tout. Et finalement, j'ai envie de dire, du coup, bientôt 2 ans, vous avez vu l'avancée de mes cheveux, c'est qui s'en souvient? Tu ne te souviens pas de ma phrase? Parce qu'à l'époque j'étais chauve. Ouais. Et vous allez voir l'avancée de mes cheveux. Et ah mais ouais. quand tu regardes toutes les vidéos, gros, et bah ouais, j'ai passé par nombre de coupes de cheveux. Ouais, et ouais, gros, et ouais. Ouais, t'étais chauve. Du coup, vous allez voir l'évolution de mes cheveux, si beau. Le mec est vraiment trop fatigué. Tellement, il fait tellement chaud, c'est insoutenable. Vous voyez, j'ai un coussin sur moi, il fait 30 degrés. La logique n'est pas là. Et je suis à côté de lui, je vais lui faire un câlin. Dos. L'équipe est au camp. Ish, ish. Chaîne YouTube PD. Ok PD. Je m'appelle PD. Partie 2. Pas grave, ma coach est le bienvenu. Ça fait toujours de l'audience quand il y a un chien. Il nous faut un animal de compagnie tel un hamster. Hein? Non. Mais... Oh. Et il mais dit non. Au pire il y a le cochon d'Inde. Mais, non. Fais... mais gros ça fait... La cage elle était toujours là aussi. Mais non. Je crois que je vais laisser une cage vide. Mais en fait faudrait bonjour. Faudrait arriver du dessous en mode yo. J'arrive comment du dessous mec? Bah toi, bah toi t'arrives du côté. T'arrives du côté. Tu casses les couilles. Voilà, c'est encore mieux. En plus y'a les chiens qui bouffent, c'est encore mieux. Du coup c'est une grosse merde, vous pouvez les cracher dessus. Merde. Excuse-moi mec, j'ai craché là mais il y a eu un crash qui est parti comme ça. Yo. Alors aujourd'hui on va se faire un frappage. Mais sérieusement mec c'est... Oh j'étais même pas dans le cadre, ma tête elle... Le mec arrive et fait yo. Non mais genre la caméra elle est trop basse pour moi en fait. Alors aujourd'hui nous sommes accompagnés par ma coach. Ça sera notre coach aujourd'hui. Salut, comment tu vas? Dame les gens, c'est ma coach. Ton doudou. J'allais le lancer. C'est moi qui me prépare. Il faut pas que je cloche là d'ailleurs. T'imagines.
T'imagines le truc? Et là tu vois le vol. Arrête ma coach de rester dans mes pieds. Allez ma coach. Je vais pas te taper. Et reviens pas en fait. Putain, on va les couilles frère. Bah voilà, faut bien crier comme ça. Ah mais t'es pas obligé de faire le alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto. Quoi?